Me laisserais-tu être ami avec ton ex? Entre vous, est-ce de l'amitié ou de l'amour? 3, 2, 1. J'ai pas compris, t'as dit quoi? C'est Dieu qui donne, baisse ton cœur. J'adore pas tes frères, ne s'applique pas. Alors, vous dites, tout le monde, j'espère que. J'ai triché. Comment ça? Je l'ai pas dit. Alors, Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez... Pourquoi tu fais cette voix là de... J'espère que vous allez bien, en tout cas moi hyper contente les gars de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes de retour, enfin. T'as pas l'air content d'être là. Olé. Ah non, ouais, bientôt 2 ans qu'on a fait une vidéo ensemble. Ouais, qu'il est pas venu sur ma chaîne parce qu'il s'est passé plein de choses et... Non, on veut savoir, hein. Le plus important c'est que nous sommes de retour. We are back and we are better. Et pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, bah, je vous représente Kevin. Tu veux dire quelque chose sur toi? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Et du coup, peut-être qu'il y en a plein qui me connaissent pas. Je suis un ami de Moana, ça fait un moment qu'on faisait pas trop de vidéos ensemble. Et voilà, je suis de retour. Alors, on va bombarder en 2022, on fera plein de vidéos ensemble. C'est ça. Donc aujourd'hui on va faire un test de compatibilité. Puisque plein de gens nous disent à chaque fois qu'on est le couple parfait. Mais nous-mêmes on n'y croit pas encore, hein. On va faire le test et on verra bien le niveau de compatibilité. Et si on est compatible, on fait quoi? On laissera les abonnés décider. S'ils disent qu'on se met en couple, on se mettra en couple. Avant même de commencer, je voudrais vous parler de Skyeng, qui est la plus grande académie d'Europe d'apprentissage d'anglais. Je les ai découverts récemment et j'ai pu suivre des cours et améliorer mon niveau d'anglais. Donc pour ceux qui se demandent qui sont-ils, qui sont Skyeng, et c'est tout simplement l'une des plus grandes académies d'anglais d'Europe. J'ai pu suivre leurs cours, ça fait plus de 2 semaines que je suis inscrite chez eux. Et il faut savoir qu'en fait, moi je suis quelqu'un, j'aime bien apprendre les langues. Enfin, mon niveau d'anglais n'est pas forcément top, tu vois, même si j'ai passé mon TOEIC et que je l'ai validé à 70%, je crois que j'ai eu 700, 800 mon score TOEIC. Mais tu sais, c'est pas forcément pareil en fait, parce que quand on est en France, enfin quand t'as des amis comme Kevin, eh ben, tu parles français, et quand tu pars à l'étranger, ben, t'as forcément besoin de parler anglais. Et surtout que moi, ben, dans mon travail de tous les jours, j'ai besoin de parler anglais. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire sur Skyeng. C'était le moyen pour moi d'apprendre l'anglais plus facilement et très rapidement. Il faut savoir qu'ils sont à la portée de tous, que vous soyez enfant ou adulte. Il y a de tout et de tout niveau. Savoir déjà que rien qu'en t'inscrivant, ils te proposent un cours en ligne et ils font un suivi sur WhatsApp. C'est-à-dire que avant même que le cours ne démarre, ils t'appellent et tout sur WhatsApp pour te dire ouais, c'est bon, t'es toujours chaud. C'est comme à l'école en fait. Du coup, il y a vraiment un suivi. Il y a vraiment une pédagogie qui est là et il y a une certaine rigueur. Donc là, enfin, déjà rien que ça, ça te pousse à apprendre et à vouloir faire tes exercices en anglais. Donc tu fais un cours d'essai, ils évaluent à peu près ton niveau. Moi je l'ai fait, je vais vous montrer à côté comment ça s'est passé. Donc t'as aussi un professeur qui te suit, t'as des exercices aussi qui te permettent justement de pouvoir t'améliorer. Donc t'as différents exercices en conjugaison, grammaire, et tout, etc., orthographe. T'as plein d'items. Faut savoir que les cours sont en ligne, donc vous pouvez suivre les cours via votre téléphone, votre smartphone, ou sur tablette, ou sur votre ordinateur. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment un suivi personnalisé qui est là. Vous avez vraiment un prof, enfin je vais vous montrer, parce que moi j'avais eu un prof qui m'avait coaché et c'est vraiment top. Donc pour tous ceux qui veulent apprendre la langue, et même si ceux qui ne voulaient pas apprendre la langue en fait, rendez-vous en barre d'inscription. Inscrivez-vous via mon lien que je vous mets juste ici, comme je vous ai dit. Et avec ce code promo, ça va vous permettre de bénéficier de 3 cours gratuits en ligne. Donc les gars, c'est parti. Là avec ma vidéo là, faut se réveiller là, 2022, faut parler anglais, faut s'améliorer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment tout niveau. Ils sont en ligne, ils ont aussi une application que vous pouvez télécharger. Les heures sont flexibles, ils s'adaptent à vous. Vous allez voir qu'ils sont vraiment au top. Et nous on va passer, ça va Kevin? Oui, ça va toujours, hein. Je crois que je vais aller m'inscrire à la fin de la vidéo aussi. Alors pour vous expliquer un petit peu, on va vous poser mutuellement des questions, on va répondre en même temps pour voir vraiment si ça peut coller. Et du coup on fera un petit débriefing à chaque question. Moi je suis pas sûre que ça va coller, mais vas-y, ça va. Alors, c'est toi qui pose la question? D'abord. Du coup, petite précision, je réponds pour lui et il répond pour moi. Le but c'est que on sache si vraiment on est compatible et qu'on se connaît, tu vois. C'est la vérité. C'est ça. Donc Patrick, il va nous poser la question. Alors Patrick, on t'écoute. Alors, es-tu couche tard ou lève-tôt? 3, 2, 1, couche tard. Kevin, c'est grave un couche tard. En plus, il travaille dans le monde de la night. Ça m'empêche pas pour me lever tôt aussi. Oui, mais tu dois couche tard, Kevin. Toi, tu te lèves tôt. Moi, je me lève. T'es organisé. Bon, deuxième question. Deuxième question. Es-tu film ou livre? 3, 2, 1, livre. Film. À
Alors, pour la petite explication, moi j'aime beaucoup les livres. Moi je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Je suis pas forcément quelqu'un qui va me poser devant un livre, enfin un film ou quoi, Netflix et tout, etc. Et Kevin, je sais qu'il aime beaucoup les films. Ouais. Il regarde beaucoup Netflix, il passe beaucoup de temps sur Netflix, il regarde tous les trucs. Autant avant, ça m'arrivait de bouquiner, mais franchement, maintenant je préfère les films. Ouais, donc il regarde beaucoup les séries et tout qui sort, toutes les nouveautés, il est toujours d'actualité. Moi, pour l'instant, on se connaît un peu. Allez! La suite. T'es en train d'inventer parce que je connais les questions de base. Je commence pas à inventer des questions. Es-tu streetwear ou pure formal? Bon, formal, c'est quoi? Genre pur, genre formel, informel, veste. 3, 2, 1. Ça streetwear. Dépend. Ça dépend, mais. Toi, ça dépend. Mais toi aussi, ça dépend. Mais là, on parle de quoi? On parle de ce qu'on veut vraiment, mais après, dans la vie, on est polyvalent. Ouais, t'es plus. L'un comme l'autre, je pense on est polyvalent. Ouais, on est un peu pareil, c'est vrai, ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on est plus streetwear, mais sinon après on peut toujours basculer quoi. Informel. Next. Es-tu Instagram ou TikTok? Tu réponds pour moi, je réponds pour toi. Oui, c'est ça, toujours. 3, 2, 1, Instagram. Instagram. Ouais. Kevin, il est grave Instagram, c'est grave le mec qui va mettre des stories. Toi aussi, on est tous les deux sur TikTok. En mais... caleçon. commence pas, c'est avant. Qui va faire le mec sexy et ton, ses abonnés. Donc, ouais, Kevin, il est grave Instagram. Et moi? Bah, toi aussi, t'es grave Instagram. Ouais, je suis moins sur TikTok. Ouais, moins sur TikTok. Je pense qu'on s'est plus mis sur TikTok parce que voilà. Suivre la trend, mais ouais, on est plus Instagram. Instagram, c'est plus posé. Bon, question, rentre-moi la question un peu fâcheuse. Hein. Fâcheuse? Ouais. Me laisserais-tu être amie avec ton ex? 3, 2, 1. Oui. Non. Open, c'est-à-dire que j'ai confiance, c'est juste. Oui, t'as confiance et t'as quand même confiance en toi, tu vois. Moi, j'ai d'abord confiance en moi. Ouais, voilà. Donc, je pense que oui, tu me laisserais, tu vois. Après, moi, vas-y, explique pourquoi t'as dit non. Ah, toi, t'es. On te connaît. La possessive maladie, c'est ça. Sinon, ça prend là, elle veut pas lâcher. Non, n'importe quoi, mais c'est juste que moi, si c'est ton nez. Après, ça. Mais moi, l'amitié est le possessive. Ouais, ça passerait pas. Je pense que tu pourrais essayer de faire un effort, mais dans le cœur, tu voudrais pas. Non. Oh, je me méfierais quand même. On sait jamais. Les meufs, elles sont trop vicieuses. On est en 2022. Les meufs, elles sont trop vicieuses. On est trop vicieuses. Donc, j'ai archi pas confiance. Ouais, c'est vrai. Après, écoute, hein, mettez sur pause, allez en commentaire. Dites-moi quel genre de personne vous êtes. Mettez je suis deux points et dites possessive. Ou si vous êtes je sais pas quoi, dites-le nous. Mais moi, en tout cas, je sais que je suis un peu possessive. Un peu. Moi, je suis un peu détruite. La suite. Oh, ça, c'est piquant, hein. La chose la plus folle que tu ferais par amour. C'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est chaud. C'est ça qui voyager. Voyager par amour. Voyager, non. Il a un peu raison, bah, je sais pas. Il a un peu raison dans le sens où moi je suis quelqu'un. Genre, je sais que si demain je me mets avec quelqu'un, j'aimerais beaucoup qu'on voyage, tu vois. Ouais, c'est ouais, pas la plus folle, chaud. Mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre, tu tues par amour. Je tue? Tu es qui? Non, mais. On dit les choses les plus folles. Ouais, mais tu veux pas tuer quelqu'un dans la réalité. Il faut arrêter au bout d'un moment aussi. Qu'est-ce que tu veux faire de fou par amour? Je sais pas moi. Quitter ton travail, quitter changer de ville. Ben, il y a le film de ça et là qui il a monté le mont Everest ou je sais pas quoi. Et la situation? Tu montrais l'Everest pour moi? Ce sont des choses vraiment que tout le monde voit en bout de chemin. Lui-même il y croit même pas. Oh, bon, on va le faire ensemble hein. Il y croit même pas ce qu'il raconte. Je dois aller dans la rue tout nu par amour. A l'air d'être un sans faute là. C'est chaud. Pour l'instant. On est en phase. Non, arrête. Ça va être en phase. Next. Donc, prochaine question. Ouais. Quelle première impression donne il ou elle donne toujours aux autres? À la première impression qu'il donne? En un seul mot. Quoi? Tu te lances? Tu sais que t'as trouvé, toi. Non, je sais pas, mais je vais expliquer après mon mot. Moi, c'est une phrase. Bon, c'est trois mots. 3, 2, 1. Je me la pète. Excessive. Explique-toi. Moi je m'explique. Ouais, vas-y. C'est excessif, mais dans le bon sens. Dans le sens où t'es quelqu'un de passionné, je trouve. Tout ce que tu fais et à l'égard des gens, quand on te connaît pas ou quoi, tu peux paraître un peu. Un peu ton ouais. Ouais, c'est quoi. Ça, un peu genre. Tu te montes, t'es là, t'es agressive, genre. Tu t'imposes, mais du coup, genre. Ça peut, genre, un peu perturber les personnes ou avoir une perception différente selon le contexte, mais du coup, ça reste. Ouais, ça reste quand tu es une personne passionnée. Ouais, les gens me détestent pour ça, je pense. C'est ça. Pas te détestent, mais. Reste. Ils savent pas comment réagir en fait face à autant d'énergie, autant de. Genre, qu'est-ce qu'elle a elle? Ouais, faut savoir me manier en fait. En mode, c'est qui?
Ouais, mais j'ai toujours été comme ça. Maintenant, je trouve que quand même, je me suis assagie. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très énergique, très je m'impose, très ouais, regardez, je suis là. Mais maintenant, avec le temps, quand même, je me suis assagie quand même. Non? Avant, c'était bordel. Ouais. Ok, lui, c'est je me la pète dans le sens où la première fois que tu le vois, surtout si tu le vois sur les réseaux, eh ben, t'as toujours l'impression que c'est un mec qui se la pète, qui a trop confiance en lui, qui fait le mec et tout, qui fait le beau gosse. Tu sais, les beaux gosses, les posts bas d'Instagram. Alors qu'en fait, rien à voir en fait. En fait, l'image qu'il donne sur les réseaux, ça a absolument rien à voir avec la personne qu'il est. Et ça, c'est toujours quelque chose que je me bats toujours. À chaque fois, les gens me disent, ouais, mais t'es ami avec lui et tout. C'est vrai qu'on joue souvent là-dessus, genre, alors qu'on me connaît pas vraiment, il y a des gens, ils m'aiment pas à cause de ça. Il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, mais lui, il est ci, il est ça. Et je dis, franchement, ça, c'est qu'une image qu'il donne, mais il est pas comme ça, tu vois. Et à chaque fois, je le dis, qu'il est pas du tout comme ça, mais les gens, ils ont du mal à. Je suis simple, je suis calme. Mais ça, faut apprendre à le connaître. Et encore une fois, en fait, les réseaux, c'est pas la vraie vie, en fait. On vous montre ce qu'on veut, et après, faut pas juger la personne juste par rapport à 2-3 photos, 2-3 vidéos. C'est dommage. C'est assez réducteur. Jure que je me bats tout le temps à dire Kevin est réservé. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas réservé, ce mec. Je dis, oui, il est réservé. Mais les gens, ils me croient jamais. Mais bon, bref, next. Quel type de meuf ou de mec est fait pour toi? Physiquement, c'est quoi son genre de meuf? Physiquement. 3, 2, 1. Pourquoi t'as pas répondu? Est-ce que tu hésites encore? Oui. Allez, go. 3, 2, 1. Black et arabe. Ouais, moi j'ai dit Afrique parce que voilà, genre t'es assez communautaire et genre t'aimes bien. Un peu de mélanine quoi. C'est ça. Voilà. Vous êtes fous, voilà. Ça va pas dans vos têtes. Maintenant la même question. Mais attends, mais lui, j'ai dit vrai ou pas? Bah ouais, c'est vrai. Black et arabe. Ça c'est général. Dit mais plus dit black. Je suis pas forcément basé que sur le physique. Du coup, cette question là, oui, genre ça, on a tous des préférences, mais on va dire que ça rentre dans les critères. Ok, côté préférence. L'un comme l'autre. C'est beaucoup plus personnalité. Voilà. Quel genre de personnalité il aime? Non, mais il y a plein de choses. Je donne un mot, et j'expliquerai. C'est ça. Okay. Ça. 3, 2, 1, go. Calme. Honnête. Bah, je pense que t'as besoin de quelqu'un qui puisse te rassurer et quelqu'un qui puisse te prouver des choses. Et donc, t'as besoin de beaucoup d'honnêteté envers la personne. On est un peu trop compatible là, c'est chaud. Ouais, non, il a répondu vrai. Moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de. Moi je suis une vraie personne, tu vois, et j'ai vraiment besoin de m'entourer de vraies personnes. Et j'ai toujours eu des. J'ai le même cercle, j'ai le même cercle d'amis pour tu qui vois. Tu peux compter. Exactement. Donc ouais, pour moi c'est vraiment sincère. Et toi, j'ai dit calme parce que. Parce que je suis calme? Non, rien à voir. En fait, toi, t'as besoin de quelqu'un qui te materne un peu, tu vois. Et donc, en fait, faut quelqu'un d'assez posé. C'est mature. Voilà, exactement. Mature. Ouais, mature. En fait, c'était le. Doté de sagesse, tout ça. Exactement. Ce qui me manque parfois. Exactement. Donc, en fait, pour lui, faut quelqu'un de très mature parce que Kevin, faut le recadrer des fois. Donc. Oula. Ouais. Ça va me recadrer. Ça va me dépique. Non, mais c'est pas délique. Ouais, okay. Donc je t'ai cerné. C'est bon tout ça. C'est pour ça on va finir avec la dernière question qui est beaucoup question. Plus pimentée et qui vient rassembler tout ça, tout ce qu'on vient de dire. On répond toujours l'un pour l'autre. Toujours l'un pour l'autre. Alors moi, dites-moi franchement. On dirait des games pro. Entre vous, est-ce de l'amitié ou de l'amour? Quel silence. Le vrai moment sort des oiseaux volés. C'est les mots pour lui, les mots pour moi. 3, 2, 1. Coupez. Il a. Mais moi, je suis vrai, il a pas dit. Il a pas parlé. Ouais, t'as pas parlé non plus. J'ai pas compris, t'as dit quoi? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Allez. Kevin, ok, mais réponds toi aussi. Ok, vas-y, moi je réponds. On répond sincèrement maintenant. 3, 2, 1. En plus, les deux mots commencent par A en plus. Les hommes d'abord. Non mais non, ensemble. Pour la vidéo on a fait ensemble, on va continuer ensemble. Une fois je suis jusqu'à la fin. 3, 2, 1, go. Amitié passionnelle. Amitié plus. Po, moi je savais pas que ça allait. Hein? Pourquoi? Ok, non, mais... on s'explique. Bah, en soi c'est vrai qu'on est amis et tout, etc. Après je pense que il y a des choses qu'il faudrait peut-être qu'on se pose et qu'on raconte devant la caméra, tu vois. On a vraiment été amis, c'est jamais rien passé entre nous. Tu confirmes devant la caméra. Et jamais rien, parce qu'il y a plein de gens et tout, nanana. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là où on sait que je pense que quelque part on est complémentaires, tu vois, genre. On sent pas mal de points. Ça, on s'est jamais vraiment posé ou vraiment posé face à la question ou l'un à l'autre. On a toujours été dans l'amitié. Ouais, donc ouais, pour moi ouais, amis. Après, on sait pas de quoi la vie est faite. Ouais, la vie est faite et
voilà, après je pense qu'on devrait se poser peut-être devant la caméra et vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi on avait arrêté de faire des vidéos. Je pense que vous méritez quand même de savoir. Donc pour ce faire, t'as vu, j'ai grave pris ma voix de poser. Allez, rendez-vous en commentaire, mettez sur pause et dites-nous si vous voulez qu'on fasse une story time et qu'on vous explique ce que vous en pensez. Ouais. On vous explique le pourquoi du comment. J'avais arrêté de faire des vidéos avec lui parce que c'était voulu, c'était mon... C'était un choix. C'était un choix qu'on a pris à deux. C'est bon, bon. T'es satisfait, Jury? C'est bon. Du coup, écoutez les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker très très fort si on atteint les 40 000 likes. On veut 40 000 likes sur cette vidéo. On vous refait la story time où on vous raconte notre histoire et on refera plein de vidéos sur la chaîne. On fera des challenges, des... J'ai une idée pour la prochaine vidéo d'ailleurs. Moi aussi j'en ai une autre. T'en as une? Ouais. Okay. Si vous n'êtes pas encore abonné. Et de s'inscrire. Ouais, oui, inscrivez-vous à Skying pour prendre les cours d'anglais. Et c'est un suivi de ouf. Le gars m'appelle à 23h pour me dire c'est demain le cours, hein, oublie pas. Voilà, franchement, c'est un truc de fou. Inscrivez-vous et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Prenez soin de vous et on vous dit à très très vite si vous décidez. Et il est 18h et c'est Dubaï, c'est grave une ville qui vit la nuit. C'est un truc de fou.